avait envie au sein de la faculté des sciences d'Orsay de monter un centre de recherche d'innovation autour de la cuisine, la gastronomie, quelle sera la gastronomie en 2050. Et donc pour ça, il fallait avoir à la fois de la recherche, de l'enseignement, de la formation, et puis aussi une interaction avec l'artisanat, donc mélanger artisanat et université. C'est une pédagogie par projet qui se veut aussi, enfin j'espère, un peu innovante, c'est-à-dire que je ne sais pas la réponse, il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est on avance tous ensemble, on travaille par groupe, on a une problématique, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer d'y répondre. Ensuite, on avance petit à petit, on a une porte qui s'ouvre, il y en a 10 devant nous, qu'est-ce qu'il faut choisir? Voilà. Et on travaille comme ça, et donc c'est vraiment un process de recherche et de démarche d'innovation. Donc c'est ça que je veux vraiment leur inculquer, plus que finalement la gastronomie ou la science, mais c'est travailler en équipe, c'est ça qu'on leur demandera d'ailleurs dans une entreprise.